bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatsingo. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le 19 décembre 2022 la visite d'une délégation du Conseil malien des chargeurs avec à sa tête son président Kissima Sylla. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la présentation du nouveau bureau en charge du Conseil malien des chargeurs. Au cours de cette première rencontre avec le chef de l'État, le Conseil malien des chargeurs a rappelé tous les efforts qu'il a fournis pour le bien-être des Maliens lors de l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Selon les précisions de Kissima Sylla, durant cette période d'embargo, les opérateurs économiques maliens se sont battus en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Ils ont ainsi accompli leur devoir de patriotisme, a-t-il expliqué, avant de rassurer que dans le contexte actuel de la cherté de la vie, des dispositions sont en train d'être prises en collaboration avec les opérateurs économiques en vue de pallier des difficultés qui pèsent sur le pays. Le Conseil malien des chargeurs a été créé en 1999 avec pour mission l'organisation et la représentation professionnelle des chargeurs. Le Premier ministre malien Choguel Maïga s'est rendu le dimanche 18 décembre 2022 au camp Tchaïkou Amadou Toll pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité FDS déployées dans la deuxième région militaire au Mali. En mission à Ségou, Choguel Maïga a salué l'engagement de ces derniers pour la sécurisation des populations et surtout pour le maillage du territoire qui a permis la reprise progressive des activités par les populations dans les champs, les périmètres irrigués et les foires hebdomadaires. Le colonel Oumar Youssouf Cissé, commandant de la région militaire numéro 2 et commandant du secteur 5, a exposé au Premier ministre les opérations en cours et les perspectives dans le secteur 5. Le chef du gouvernement a rappelé que les forces de défense et de sécurité constituent la colonne vertébrale de la nation. À ce titre, dira le Premier ministre, la nation leur est redevable pour tous les sacrifices qu'elle continue de consentir. Le Mali, confronté à une grave crise sécuritaire depuis 2012, retrouve de plus en plus la paix et la sécurité sur son territoire grâce aux forces armées maliennes FAMA. L'ONG suisse GenevaCol est interdite d'activité sur les territoires maliens avec effet immédiat. Cette organisation humanitaire est accusée d'avoir signé une convention avec la coordination des mouvements de l'Azawad CMA pour la protection des soins de santé pendant les conflits armés sans autorisation préalable des autorités maliennes. Le gouvernement malien, ayant appris l'information par voie de presse, s'est interrogé sur les dividendes de la signature de cette convention car l'ONG s'est contentée d'adresser une lettre d'information au ministère de tutelle. Le gouvernement malien condamne cet acte et accuse l'ONG de ne pas respecter l'accord cadre régissant les associations et organisations humanitaires. Dans un premier temps, il lui a été demandé de mettre fin immédiatement à l'initiative, qu'il récuse aussi bien dans le fond que dans la forme. Mais l'ONG ne s'est pas exécutée, d'où la décision d'interdire ses activités sur le sol malien. Cette convention a été signée à huis clos entre la coordination des mouvements de l'Azawad et GenevaCol. Le groupe armé était représenté par Ataye Ad Mohamed, membre du bureau exécutif en charge des questions juridiques et des droits humains, et Mohamed El Moulou Ramadan, membre du comité directeur de la CMA et du comité de pilotage de la commission DDR. L'ONG, pour sa part, était représentée par son directeur général Alain Delétros. Madiou Sipara assure l'intérim de la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CCIM. L'homme qui vient de présider pour la seconde fois la réunion du bureau est loin d'être un inconnu dans le monde des affaires au Mali.
Natif de la ville de Banamba au Mali, ce sexagénaire a petit à petit gravi tous les échelons du commerce pour se hisser dès les années 90 à la tête d'un conglomérat. Évoluant dans des secteurs aussi diversifiés que le commerce général, la représentation et la distribution, entre autres, Madio Simpara est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grosses fortunes. Il remplace momentanément Youssouf Batili, incarcéré depuis 23 novembre dernier pour des faits d'attente au bien public. La Chambre du commerce a eu une réunion de bureau et a adopté le samedi 17 décembre, sous la présidence de Madio Simpara, une revue de programme 2022 qui va porter sur une période de 3 mois. Quant à l'agenda international du président intérimaire, celui-ci a commencé depuis hier à Conakry à la 2e édition du Salon de l'industrie de Guinée. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.